إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيسرك الأيمان المسلمين المسلمان لسيرك لتسوها بال منفابيك الله سبحانه وتعالى في الفعل أولين إن فامي منفابيك الله عز وجل لفعل أصبح الإسلام سي الله سبحانه وتعالى لفهم الإسلام جي على بي سكيريتي دا بلاس كل سبب ويب من فري من سيكين أيمان ويب أن بي ويب أن سكيريتي بلا دون سيدن منفابيك الله سبحانه وتعالى Livea l'oban qui peut suivre sa favela. C'est en tout cas nous témoigner ce qui nous peut témoigner. Dans certains pays, quand on a la guerre, quand il y a la déstabilité, quand on peut faire dominer avec ce monde, vraiment nous reconnaître qui quantité favela Allah subhanahu wa ta'ala nous peut faire au nom. Quand nous parmi man qui nous peut suivre la paix, quand nous parmi man qui nous est la sécurité de la place que nous peut vivre. Bon frère, bon soeur, qui n'a l'Iman, en vérité l'Islam, fin, pour qu'il y ait du monde vivant en paix, pour qu'il y ait dans la sécurité à cause de sa même, Allah subhanahu wa ta'ala, les filles sont sacrament Fabien et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi. Allah azza wa ta'ala, qu'à l'écoute concerne à Ban Quraysh, la surah Quraysh, il dit Allah dit « Af'amahum min jou'in, wa amanahum min khawf » Celui qui les fait nourrisseur depuis la faim, et celui qui les fait donner la sécurité après la frayeur. Bon frère, bon soeur, qui n'a l'Iman, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat pour Allah. Les fait dire wa amanahum min khawf, les fait donner sécurité après la frayeur. C'est pour qu'il nous rappelle, ça comme une grande famille de la part Allah azza wa jal. Parce qu'il faut avoir qu'à nous vivre en paix. Quand on peut vivre d'un place et d'insécurité et nous n'avons pas fini de travailler à ce moment-là de moments difficiles avant ça. Lui en attendant, on s'oublie sa famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire au nom. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'idée d'un hadith, man asbaha minkum amin al-fi sirbihi. L'idée celui qui, parmi ceux qui finissent le matin, il y a en sécurité d'un place que tu peux vivre. Mu'afan fi jasadihi. Il y a la santé de son écho, il y a un coup tout yaoumihi. Il y a la manche pour lui manger sa soula. Faka annama hi sattahul dunya. Alors sa personne qui peut suivre sa trois favela. Lui peut suivre la paix et sécurité. Il y a la santé et il y a la manche pour lui manger sa soula. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait considérer ça comme un celui qui fait une guerre et dunya au complet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier favela qui est venu mentionner parmi tous ces belles favelas, c'est la paix et sécurité.
Parce qu'il va très mal cher que la humaine nous capable dans la santé, oui. Nous capable dans la nourriture pour nous consommer, oui. Mais seulement si nous pouvons vivre dans l'endroit qui peut dans la paix, dans la sécurité. Nous connaissons tout ça là, dans la paix, dans aucun valeur pour nous. Parce que Dieu monde, il est capable dans la nourriture, il est capable dans la santé. Mais seulement si vous dans la paix, ni les yeux sur la santé, et ni les yeux sur la nourriture qui est là. A cause ça même précieux qui est dans l'Iman, Allah sur le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, financez nous dans la loi, pour qu'il nous toujours préserve la paix et sécurité qui est là dans l'endroit où nous pouvons vivre. Premier, qu'il soit aussi important comme Allah subhanahu wa ta'ala, les fins demandent pour qu'il nous juge la paix et sécurité. Allah Azzawajal les fins promettent nous, si nous vivons dans son ibadat, si nous préservons ce ban la loi, c'est nous, si nous réalisons tawhid Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous vivre en paix. Et ça va, point qui nous promène à la ban frère, ban sœur qui est dans l'iman, l'important pour nous prendre compte, c'est l'islam. Parce qu'il nous faut prendre certains points et ban conseils qui nous rassemblent Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous pour qu'il nous continue à suivre la paix dans l'endroit. Et ça va, la loi a vraiment montré nos beautés de l'islam. Vraiment montrer nous que l'islam fin vivre avec la paix. L'islam fin vivre avec, fin vivre avec ban la loi. Pour que tout le monde vive en paix. Pas comme certaines parmi l'ennemi de l'islam peut vous le faire comprendre. Qu'il soit disant l'islam égal à la violence. Ban frère et ban cheikh et l'iman. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li passé lui qui finit d'un prix Nobel de la paix. Mais seulement. Quand nous guettons la vie qui rassure sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons amener. Quand nous guettons l'islam qui rassure sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons pour passer. Qu'il y soit façon qu'il y finit vivre avec les musulmans, ou soit façon qu'il y finit vivre avec les cafés. Vraiment, nous témoignons que l'islam finit prendre la paix tous les temps. Pas commencer, lui, oui, il est capable d'un grand prix. Fin capable de lui prix Nobel de la paix. Ensuite, nous témoignons qu'il est dans son pays, il n'est pas capable de faire non rien. Il reste insensible, ou soit il a un rôle qu'il n'a pas capable de faire dans rien. Et qu'en vérité, nous n'avons pas besoin de sa bandit là. Mais Ayat Quran et Hadith suffit pour nous pour montrer nous que l'islam, c'est une religion qui tous les temps vient prendre la paix. Et vient tous les temps prendre pour que tout le monde vive en sécurité. L'islam n'a pas content que tout le monde vive avec la frayeur. L'islam n'a pas content qu'un pays paie l'instabilité. L'islam n'a pas content que tout le monde. N'a pas pu vivre en sécurité, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala fin condamné. Ban frère, ban sœur qui est dans l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala fin promet nous si nous vous préservons sur la loi. Les pouvons nous vivre en paix, les pouvons nous vivre en sécurité, c'est tout si nous réalisons tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lisait dans Surah Al-An'am verset 82, lisait Al-Ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Les gens qui ont l'Iman, et ceux qui n'ont pas mélangé l'Iman avec dhulm, avec shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là ont la paix pour eux, et ces gens qui sont bien guidés. Et le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins promettent nous les ahfab illaha ahfab. Préserve la loi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les pour préserver ceux. Et Allah azza wa ta'ala, les demandes ban courage pour qu'il fasse, pour qu'il ban fasse son ibadat. Dans surah Quraysh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ qui se fait ibadat, Rab de sa la casa, Rab de Kaaba, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. C'est lui qui finit de se manger de la faim, pour qu'il soit sorti de la faim. Et c'est lui qui finit de se laver, la paix après la prière. Et c'est lui qui fait ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal pour continuer à faire sa faveur à l'ori. Alors aussi longtemps qu'il nous vive dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Connait qu'Allah Azza wa Jal pour faire nous suivre la paix et sécurité dans la place que nous pouvons vivre. Ban frère, ban sœur qui est dans l'iman. Deuxième façon que l'islam vient prendre qu'on a la paix dans le pays. C'est envers, c'est la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin demandant pour nous garder relation avec les seuls. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lisez le hadith, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Celui qui n'a pas guère pitié au ban chemon, Allah n'a pas pour guère pitié au li. Et avant tout ban frère, ban sœur qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala l'informe nous concernant lui-même.
لتي ورحمتي ألا تهم رحمة فين دي باس مكولير ألو سيري تيسو رحمة فين دي باس مكولير لأكو سيف فولي سوى سيبا لالوا كونو كي مونتينو كي ديان كولير بس كي دينا بيتي بارفاي بان شاكينا إيمان رسول محمد صلى الله عليه وسلم فوكي نو بيبا pour qu'il nous vive en sécurité, les fins conseils nous qu'allait dire Al-Muslim ou Akhul-Muslim l'Ijal musulman, les frères d'un autre musulman La yakounouhou, il n'a pas malhonnête envers lui Wa la yakfibouhou, il n'a pas cause mentir avec lui Wa la yakdoulouhou, il n'a pas abandonné qu'à lui vise à ce support Kullul muslimi alal muslimi haramun irduhou wa maluhou wa damouhou Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit chaque musulman les haram l'un l'autre musulman selon l'air se dit bien et se dit ça alors en tant qu'un vrai musulman nous n'avons pas gain droit à clonner à nos frères musulmans ni nous gain droit à tant que se dit bien ni nous gain droit pour qu'elle depuis se dit bien et ni nous gain droit à l'éblamer ni nous gain droit à bien se dit ça ça c'est la paix que l'islam fait prôner avec nous vivre en paix bon frère, bon soeur, qu'il y a l'imam Jusqu'à même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Parmi man beauté de l'islam Il dit man ashara ila akhihi bi hadidatin Il dit celui qui menace son frère avec un ferraille Ban ange fa inna al malalika tatal'anuhum hatta yada'ahum Il dit ban ange envoie une malédiction de sa timonna Même si sa timonna lit son frère à travers son papa et son maman Et ban ange continue à envoyer une malédiction de lui Aussi longtemps qu'il n'a pas arrêté menacé avec sa ferraille là L'islam ban frère ban cher qui n'a iman Jusqu'à même pour menacer nos frères avec ferraille Nous rassons Mohamed sallallahu alayhi wa sallam finant question Et nous rassons Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Parmi man beauté de l'islam vis-à-vis nos relations envers nos frères Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dire La yahidnu les muslimin en yurawwi'a musliman Les dire il n'a pas permissible pour un musulman Les faire un autre musulman qu'un père Jusqu'à même faire nos frères musulmans qu'un père L'islam qui n'empêche nous, mon frère, mon cher, qu'il a l'imam qui vient pour que tout le monde vive en paix, pour que tout le monde vive en sécurité. Et ça, c'est une chose qui nous puisse apprendre. De la façon qu'il nous peut vivre, est-ce qu'il nous peut vivre pour faire nos frères et pères Ou soit nous peut vivre pour qu'il nous bâne tout le monde qui vive ensemble avec nous Pour qu'il nous bâne frères vivre ensemble avec nous autres, vivre en sécurité, soit vivre en paix, sans aucun affrayer. Et n'importe quelle chose. N'importe qui chose qui apporte nos frères Tito, qui fait nos bons frères musulmans Tito, et vers ce fait en tant qu'un musulman, nous pas gain droit servir ça. Par exemple, bon frère, bon soeur, qui est là, il m'a parmi ma preuve qui montre nous, qui est musulman, n'a pas gain droit sur le fêteur. C'est ça, hadith, parce qu'à travers pétard, il y a certains qui ont gain père. Et qu'on s'en même nous conseille, bon jeune musulman, qui se servit même de si qu'est à l'eau, bras qu'on jette les sapements qui se servit, parce qu'ils n'ont pas gain droit servir une qualité des sapements, qui s'en fait, je le bon prochain. Mon frère, mon soeur, qui est dans l'Iman, parmi ma façon qui est l'Islam, parmi ma façon qui est l'Islam, il faut prendre la paix ou la terre. C'est quand même avec nous, relation avec mon kafir. Nous rassons Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, les finances, nous, les finances, nous, les finances qui battent l'enseignement qui remplit avec beauté là-dedans. Premièrement, mon frère, mon soeur, qui est dans l'Iman, concernant Jihad. Oui, l'islam vient préconiser djihad, oui. Mais seulement qui qualité djihad que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance à nous. Nous Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les vins conseillent-nous avant qu'ils nous allent la guerre. Les conseillent-nous avant qu'ils nous déclarent djihad. Nous serons d'une solution. Nous essayons d'une solution pacifique entre nous et sa bande kafir là. Si ça avance, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent nous n'avons pas besoin de la guerre contre le banlam. Si ça n'a pas avancé, les là qui nous la guerre contre le banlam. Et ça montre nous que l'islam, ce n'est pas un digne. Qui vient ici s'enseigne pour nous la guerre dans ma tête entre nous. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les types envoient sur les sahabas radiallahu anhum pour faire djihad. Parmi mon conseil, qu'il est fait dans le premier conseil, mon frère, mon soeur, qui est dans l'Iman, il dit à Banna qu'on s'appelle à Allah. Il dit à Banna qu'il y a l'Afrique, il y a l'air pour apprendre, c'est pas une question sainte que je peux faire. C'est pas une question que je dois faire comme un ban, il y a le sang qui soit de la connaissance, comme un ban qui n'a pas servi sur l'intelligence, non. Mais c'est un ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, fait de la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala le finance un seul. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier conseil qu'il donne Banna. Il dit à Banna quand je t'en fais un djihad avec un peuple,
premier qui sous un victoire de l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis dans l'accepté de l'islam, tout est bien pour la même la parole qui est qui fait bal frère, bal chèque et l'animal, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les films préconis jihad, c'est pas pour qu'il nous vienne 600 balles des autres, non, mais pour qu'il nous fasse les autres accepter l'islam, afin qu'il balance notre 30 d'Achallah, pareil pour moi, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre coup d'Achallah. Si l'islam, fin préconis jihad, c'est pour qu'il nous redit bien pour balle des autres, pareil pour moi, nous fait une reconnaissance du bien là. Nous ne connaissons pour nous gagner Jannat. Nous puissons accepter l'islam, nous puissons pratiquer l'islam. Alors ça c'est raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin impose aux musulmans pour faire djihad. C'est pour qu'ils ont le combat de kafir. Afin qu'ils vont kafir là, se très long s'ouvre. Et ils ont accepté l'islam. Ban frère, ban chef et l'imam. Si ban refuse pour accepter l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne comme deuxième conseil. Là aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne comme conseil, commence la guerre contre Allah. Alors, première chose importante, premier conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit comment aller frapper tout le monde, comment tout le monde faire tout le monde. Mais les gens ont fait d'avoir avec eux. Un bitch vient de ça, mon premier, je t'accepte et termine tout par la même. Elle est reconnaissante comme un musulman et qui se tient en même droit que un musulman. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent si Bana refuse pour payer, si Bana refuse pour accepter l'islam, propose Bana pour payer Dizia. Propose Bana pour payer Dizia. Qui était Dizia? C'est un somme l'argent qui va le kafir, je paye à l'état musulman. Pour qu'il est un musulman, continue, laisse Bana vivre parmi les musulmans, malgré qu'ils ont vivre dans le pauvre. Et une fois qu'il Bana, une fois qu'il balance ce film, paye sa dizia à l'autorité musulmane. Alors on connaît que personne parmi les musulmans n'a pas gagné droit à cause d'aucun titre, malgré qu'il se bat le kafir, se bat le mouchrik. Si une fois ce film accepté pour prendre sa l'engagement là avec les musulmans, ce pour paye dizia, ce pour continuer à vivre comme un kafir, mais seulement ce pour reconnaître sa l'autorité là, elle se paye dans l'autorité dans l'endroit qu'ils ont fait vivre. Pays d'Alvini, ville pour les musulmans. Je fais ça d'ici à là, je continue à rester aux autres religions. L'islam qui est d'accord avec ça qui vient. C'est parce qu'il y a une sagesse derrière ça, qui sagesse, pas le frère, pas le chèque et l'imam. Toujours l'objectif derrière djihad, c'est pour faire ben accepter l'islam. Afin qu'il permette de pour vivre parmi les musulmans. Je témoigne l'islam qui va le musulman peut pratiquer. Et ça vient un moyen pour qu'ils se pratiquent l'islam. Ça vient un moyen pour qu'ils se acceptent l'islam dans les futurs. Parce qu'il fait qu'ils se finissent concernant l'islam. Mais seulement, on vient se mal, quelle information concernant l'islam. Je ne peux pas témoigner comment le musulman peut vivre. Et ça, c'est un sagesse frère et soeur qui est dans l'Iran. Une chose qui est importante là-dedans pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'informe nous salat, voilà. Qui nous vient de les musulmans, frères et sœurs qui sont là, nous vient un musulman qui nous fait dawa avec les kafirs à travers, nous pas d'action qui nous fait. Parce que l'islam n'est pas financé, nous accepter les bonnes actions. L'islam nous défend nous tous les mauvaises actions. En vérité, nous faisons vivre. Si vous avez fait les musulmans, vous posez question, mais qui fait ça, les musulmans, la vivre comme ça. Mais dès nos jours, les frères et les sœurs qui sont là, les malheureux, quand nous finissons loin depuis l'enseignement de l'islam, quand nous ne pouvons pas pratiquer l'islam comme un bizarre, ou soit nous permettons la vie pareille comme un kafir là, il n'y a plus trop aucune différence entre les cours. Finalement, peine un an qui bouge, peine un an qui possible pour lui, pour y apprendre concernant l'islam, peine un an qui possible pour lui trouver sa différence entre les et les musulmans. Finalement, il continue à nous couvrir, il pas même pose question concernant l'islam. Mais si nous développons une bonne qualité d'un homme, si nous développons un caractère qui l'islam qui nous enseignons, peine à doute qui va là pour commencer à poser question concernant quelque chose qui vient nous vivre comme ça. Quelque chose que tout le monde peut coquer, nous ne pouvons pas pour coquer. Quelque chose que tout le monde dans notre business et dans la trahison, nous ne pouvons pas refuser pour nous servir ça dans nos business. Qui vient quand tout le monde garde une direction, nous n'avons pas l'air dans sa direction là, nous. Qui vient quand tous les élèves peuvent droguer, tous les élèves peuvent fumer, tous les élèves peuvent vivre dans une affaire, seul musulman là, il peut refuser pour qu'il y prenne sa chemin là. Qui vient
Li pou pose kèsyon, li pou gen repons, li pou interès, li pou li kon konsen a l'islam. Alo pa mi ben sans eskive, fin propose pou n'aksepte 10e de la korban la, afin ki ban atenwa l'islam, e sa vinen mwayen pou ki se t'aksepte l'islam. E anko en fa, nou diye ban frey ban jek ki la iman Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pa premye etap ki li finansen nou, pou nou diye l'epe pou ki nou komans touye. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conseils sur les sahaba, les diables nassi banna révise pour payer dizia. Les alors, chers et avec banna combat banna. Là aussi, ban frère, ban soeur qui n'aime, qui s'assiste si là derrière sa combat là. Quand nous déclarons djihad pour banna, ça crée la prière dans ce déguerre. Soit on accepte l'islam ou soit on accepte pour payer dizia. Et encore une fois, l'objectif. Pour faire ça, accepter l'islam, mais si je ne pas obéir, même je commence les hommes contre nous, alors on la doute qu'il est là où l'islam fait enceinte pour nous faire djihad contre Allah. Bon frère, bon soeur qui est un imam, il enseigne pour faire djihad, mais façon qu'il fait enceinte pour faire djihad là-dedans aussi dans la paix. Pas pour ma bonne, qu'il se fait prendre la paix soi-disant, et en vérité, bon frère, bon soeur qui est un imam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dire, لِذِيَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Allah subhanahu wa ta'ala لِذِيَ n'a pas même corruption de la terre après qu'il finit faire son réforme. Réforme c'est l'islam qui l'a mené. Et n'importe qui la loi et n'importe l'islam c'est la corruption. Parce qu'ils n'ont pas pour capable d'amener une réforme dans la société excepté avec la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait choisir. Parce que la loi qu'Allah a fait choisir c'est pas meilleure la loi. Et Rabbul Alamin, il connaît qui la loi pour nous. Qui la loi qui vous capable de corriger nous. Qui la loi qui vous capable vraiment d'amener une réforme. Mais seulement quand une salle prend d'accord pour implémenter la loi Allah. Quand une salle commence à créer son propre la loi. Quand une salle commence à créer son propre constitution. Elle est la même. Nous trouvons comment les musulmans peuvent vivre plus bien, comment les gens peuvent vivre plus bien qui vont s'animer. Bon frère, bon soeur qui est un imam, le Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne comme conseil avant qu'il vienne à djihad. Et ça c'est réponse pour les gens qui disent l'islam n'a pas prendre la paix, l'islam c'est la violence. Vous connaissez qui conseille les prophètes qui donnent. Aujourd'hui nous pouvons gagner toute qualité de vidéo, nous pouvons témoigner ce qui nous peut témoigner. Esprit ça, les gens qui attaquent l'islam, Ban qui met à qui ça sort dans l'islam, est-ce qu'ils ne sont pas trop clair? Est-ce qu'ils ne sont pas trop clair? C'est ceux qui peuvent prendre, qui soi-disant peuvent prendre la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah subhanahu wa ta'ala lui qui connaît qui ça n'a pas voulu amener corruption et qui ça n'a pas voulu amener réforme. Réforme l'islam qui n'a mené. C'est pas kafir qui peut amener réforme. Lui qui n'a pas mené. Belle parlement, il est capable d'un bel congrès capable de faire la paix. Mais c'est moi n'a pas pris la paix dans les mondes aussi longtemps qu'il n'a pas implémenté la loi Allah Azzawajal. C'est bon qui dit je peux faire semblant qu'ils ont voulu la paix dans les mondes. Mais c'est moi qui peut tout les mondes, qui peut massacrer les mondes, qui peut faire dominer avec les mondes. C'est bon qui n'a pas capable de cause dans rien. Pas frère, pas cher qui n'a iman. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة سيدك الله عز وجل في نواري كمل بيجي يا أباي شو من صحابة قال في الجهاد وكونه كذي شيء بالله ليش بالله مسا نبى بس أتيو كن مدام نبى بس أتيو كن صفا نبى بس أتيو كن بيجيمون إيه نبى بس أتاك بالله سوت ساليمون يا أتاك بالله سوت بانتاشون أزوج بان في بان سيركير من سكيسة ساتين تيموين Aujourd'hui, peut faire dominer avec madame, peut tuer madame, peut violer madame. L'islam, ça m'a enseigné ça. L'islam, il demande nous pour faire dire, mais pas demande nous pour faire dominer avec Simon. Ça, c'est l'enseignement Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on vient dire sans qu'il nous attaque par madame, excepté si on a fait des enfants contre nous. Nous, on vient dire sans qu'il nous attaque par les enfants, sans qu'il nous prend la vie par les enfants, sans qu'il nous prend la vie par madame. Sans qu'il nous prend la vie par bien Simon, sans qu'il nous attaque par plantation, et sans qu'il nous attaque par dans ce salimon. Si c'est quand même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez qui conseille les données, les dit avec ce man sahaba, n'a pas besoin de finir à Allah. Et après qu'ils ont fini tous les kafirs là, au champ de bataille, ils ont fini à tel objectif. S'ils proposent pour accepter l'islam, ils ont refusé. Ils proposent pour bénéficier, ils ont refusé. Ils ont mérité pour la guerre contre eux. Mais c'est maintenant la guerre contre eux qui est finie. Pas après qu'ils ont fini tous eux pour se laver pour le bout. Défilé à eux, t'es pas, comme je plaît pour vous, tout ça là, l'islam va lancer, au contraire. Hadith, de façon, dans sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les n'empêchent sur le sahaba pour faire ça, même envers le kafir.
Parfait, mal secret à Iman. Par une petite chose qui montre nous l'islam qui prône la paix. Et c'est l'islam qui prône la paix. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les conseils nous concernent un man qui peut vivre sous l'état musulman. Un man kafir qui peut vivre sous l'état musulman. Il y a un engagement entre l'état musulman et man kafir. Parce que ça, c'est une réalité, ça. Dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est allé. Man juif qui peut vivre en bas man musulman. Alors, on a un mot qui s'en a l'état musulman, puis prend l'engagement avec lui. Ou soit il prend l'engagement avec l'état musulman. Soit il peut vivre dans le pays musulman. Ou soit il a un arrangement, un engagement pays musulman et pays kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à conseiller sa bande kafir là. Je vous dis, je mets ta story, ça, soi-disant, pas capable d'aller dans le pays musulman parce qu'il faut tout là-bas. Ça, mais l'islam connaît qu'il conseille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à man qatala mu'ahadan. Il dit à celui qui détruit un mu'ahad. Un mu'ahad, c'est celui qui a l'engagement entre lui. Un kafir qui a l'engagement entre lui et l'état musulman. Qu'il est capable de vivre dans son pays musulman là. La pierre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui tue sa kafir là. Malgré qu'il est au couvre, mais c'est mal, il peut vivre dans le pays musulman qui a l'engagement entre lui et son pays musulman là. Et de nos jours, c'est Visa qui représente ça. Dans les moments qu'un pays musulman, l'Indo d'un kafir, Visa pour rentrer dans ce pays, ce kafir-là, en sécurité d'après la loi, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays musulman-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui tue sa kafir, qui a un Visa qui a sa engagement, sa pacte en paix avec l'état musulman-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour gagner, pas faire jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause concernant un musulman qui tue un kafir, qui est dans l'engagement, qui n'est pas pris la guerre contre l'engagement entre nous et lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à un musulman qui tue ce kafir là, lui pas pour guerre, pas faire jannah. Même si pas faire jannah, nous gagnons de prendre distance de 40 ans. Elle n'est pas ici pas pour rentrer jannah, pas faire jannah aussi, il n'est pas pour gagner. Malgré qu'il pas faire jannah, distance qui nous gagne pour faire jannah, c'est 40 ans. Quelle qualité? L'enseignement de l'islam qui nous quitte. Mais malgré tout ça là, pas qui pas content, nous sommes toujours mettre en accusation de nous. On doit nous dire, parfois, par un petit esprit imbécile parmi nous, qui paie la connaissance, quand je cause jihad, je mal explique, ou soit quand je, soi-disant, je préfère jihad, je mal pratique, les là, oui, ben, kafir, ce qu'est, ben, poilou. Mais c'est mon vrai islam authentique, qui rassemble dans son nom, Marie Hassan, financé, et fait la doute. Que l'islam fait toujours prendre la paix, même envers un kafir. Bonne frère et bonne soeur qui n'a iman. Parmi les malfaçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les vignes, choisir pour qu'il préserve la paix d'un pays, pour qu'il préserve la sécurité d'un pays. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, les vignes descendent une sentence pour Piniban qui n'a pas respecté la loi Allah. Pour Piniban qui rébelle contre la loi Allah, sauf pour le ban qui se fait avec le péché. Par exemple, dans la même qu'il a la peine capitale envers celui qui fait crime. Ou soit coupe la main, celui qui fait coquin. Ou soit la prise, celui qui fait s'inactiver. Parce que celui qui fait crime, l'investit sans les autres. Celui qui fait coquin, il attaque les autres. Celui qui fait zinal, il attaque le nez à les autres. Et nous n'avons pas de talent. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, conseille pour qu'ils nous vivent en paix parmi nous. Faudrait pas être dans tout ça là. Alors, quand si toutefois, il est dans l'île. Pour qu'il y ait un pays, continuer dans sa stabilité, continuer dans sa paix là. L'islam vient préconise pour qu'il m'en puisse sentence dans sa bâtiment mon activer. Pour que le pays n'a pas déstabilisé. Pour continuer dans la paix dans sa pays là. Parce que quand on soutient criminel, quand on tolère criminel, toute criminalité automatiquement il peut augmenter. Pas être dans le pays. Un diamant fait crime, il y a un traitement 5 étoiles dans mes roses. Un diamant coquin, il y a un traitement 5 étoiles. Il y a tout ce qui est bizarre. Légalement, c'est légal pour les gars, cigarettes, il y a la drogue, légal pour ta pour passer comme un avocat. Tout légal. Parce qu'il fait tolérer les gars. Vous savez, vous avez diminué. Au contraire, il peut augmenter. Au contraire, il peut augmenter. Qui fait? Et ces banques qui sont disant que vous avez une réforme, mais belle la réforme. Aussi longtemps qu'il n'a pas implémenté la loi. C'est même qu'elle l'a fait dire. Voilà tout ce qu'il nous fait après le bar d'instant. Pourtant, il peut faire toute qualité de ses fonds pour baisser sa toute criminalité qu'il a. Il peut faire toute qualité de ses fonds pour baisser la quantité de cabol qu'il a. Tout peut faire toute qualité de ses fonds pour baisser tout. Ben, c'est le monde qui peut prendre la bouche. Tous ses fonds, je peux faire. Mais seulement,
Au lieu de diminuer et augmenter, qui fait? Parce que je ne parle pas d'implémenter la loi là. Et impossible d'amener une réforme d'une société sans qu'il nous implémente la loi là. Alors, parmi mal façon, c'est la loi qui m'a la trouvé en bas là. C'est la loi qui m'a la trouvé en bas là. Et c'est la loi qui vise à quoi faire, parce qu'elle a l'école de l'économie, puisqu'il nous connaît nous-mêmes. C'est même la loi qui vise à poudre ses monnaies. C'est même la loi qui vise à, sinon on vit vraiment diminuer la criminalité d'un pays. C'est celle la loi qui vise à prendre. Tu prends la vie, nous prenons la vie. Et Allah Azza wa Jal qui dit voilà comme fait le qissas, si haya al-dunya ou l'albab. Mais c'est non. Alhamdulillah, c'est juste une banque intelligente qui comprend ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà comme fait le qissas. Il dit la poussure de la pleine capitale, haya, il a la vie pour ce temps. Oui, il dit mon infirme, il prend sur la vie. Mais c'est non, là qui dit dans la vie. Combien dans la vie là-dedans? Ou prend la vie, ou sauve sans la vie. Mais quand on ne prend la vie, c'est la vie qui perd. C'est ce qui est arrivé dans nos pays. Quand on ne pense à elle, la vie là, et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Oli Albab, oh banque intelligente. Parce que c'est juste banque intelligente qui comprend ça. Quand on n'a pas pensé à elle, la vie, c'est lui qui fait le crime là. L'instant même, c'est pas. Non, on peut respecter les droits humains, comment qu'on prend la vie, il y a un timon. Mais quand il dit prend la vie, il va trouver dire. Quand il dit prend la vie, parce qu'on est humain, ça, on vient les plus à l'immoire. Mon frère et mon soeur qui est l'imam, par une malfaçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse choisir pour qu'il préserve la paix d'un pays, pour qu'un pays continue l'instabilité, c'est nous applique sa bonne sentence qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse choisir là. Et quand nous applique sa bonne sentence à propre émission là, on trouve qu'il dans son pays là, ne pas dire pays là du tout, mais seulement les bienvenus. Et ça, ben là, je ne vais pas causer ça. Je posais, tiens, où dans l'Arabie, la loi Baba. Oui, Baba, mais c'est vrai, cause. Pourcentage crime d'un pays là, cause pourcentage vol d'un pays là, cause pourcentage viol d'un pays là, à même pourcentage, vous connaissez qui la loi qui va avoir, qui la loi qui n'a pas avoir. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, ma chère, qui est l'imam, l'aide-nous pour qu'il nous vive en paix, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide-nous pour siècle, nous, musulmans, dans ce pays là, pour qu'il nous réalise ta vie, et pour qu'il nous pratique l'islam comme un visage. Et nous avons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui à travers soit un esclave qui est bon, soit un esclave qui perd aussi si tout seul, soit un esclave qui n'a pas pu faire shirk avec lui, soit un esclave qui peut pratiquer son Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui à travers sa banane Allah azza wa jal, l'hiver nous contient vivre en paix. L'hiver nous contient à vivre en sécurité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous traverser par ce qui va nous traverser. Car certainement, mon frère, mon frère, qu'il a une bonne qui peut traverser alors je ne connais qui dans la dent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous. Qu'Allah rabbul alamin pardonne-nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pitié de nous pour le qawli hada. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من في من سكر الإيمان فمن من فاسق الله سبحانه وتعالى les villes choisir parmi la loi pour qu'il touche la stabilité d'un pays, pour qu'il touche la sécurité et la paix d'un pays. N'importe qui s'en a, qui pense pour jouer avec la stabilité de son pays-là, les pense pour jouer avec la paix qui son pays-là mesure, ou bien la sécurité qui son pays-là mesure. Alors, connaît que l'islam n'a pas d'accord avec sa bonne moyenne. À cause à même, mon ulama, quand je fais une cause concernant la manifestation, je fais une cause concernant le soulèvement, mon ulama qui a la connaissance, mon ulama digne de confiance, comme cher Othamin, cher Bimba, cher Al-Albani et les autres, cher Fonsal, alors je vais montrer que l'islam n'a pas d'accord avec ça. Parce qu'il réforme, réforme et réforme, nous n'avons pas parlé le bon soulèvement. Nous n'avons pas même pas manifestation, mais réforme, nous pas même vraie réforme, quand nous faisons, nous retournons vers ce Dieu. Pas de frère, ma chère, qui est l'animal,
Mais seulement quand vous boutonne certaines parmi vous qui soi-disant fait causer au nom de l'islam. Par exemple, Aïd al-Qarni, c'est un petit monde qui est un livre dont vous savez que beaucoup de monde sont liés à ça. Vous connaissez qui dit parmi ce bonne parole, il dit comme ça, pour qu'il y ait une réforme, il faudrait vers 600 pendant 7 ans pareil pour maintenir dans la France. Ça m'a dit monde qui soi-disant, ils ont de la connaissance. Qui s'en a, je peux prendre comme exemple, Kafir. Pour qu'il y ait une réforme, il y a vers 600 pendant 7 ans pareil pour maintenir dans la France. Est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, l'un de nous est séparé pour qu'il nous amène réforme, faudrait nous réinvestir pendant 7 ans. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour y amener réforme dans Makka, ou soit y amener réforme dans Madina, ou soit dans le pays arabe, et même les Sahaba aussi, par est-ce qu'ils ont bien ce temps, disant aux autres, nous pas pédier à partir d'un 10 ans qu'ils viennent, mais seulement est-ce qu'il y a une enceinte pour bien ce temps, disant, l'islam pas une enceinte pour qu'il nous bien ce temps, disant. Mais c'est le moment vrai, ma chère, qui est l'imam. Sabana Seban, c'est eux-mêmes responsables pour tout ce qui vient d'arriver dans ce pays arabe-là. Parce qu'ils se causent au nom de l'islam. Se présentent eux-mêmes comme un alim et ceux de l'fatwa, qui a un droit faire soulèvement, qui a un droit faire manifestation, qui a un droit et qui a un droit déstabiliser un pays. Même un pays peut vivre en paix, même un pays peut suivre la sécurité. Même l'instabilité d'un pays gagne un droit, faire soulèvement, gagne un droit, faire tout ça là. Parce que pour ceux qui sont disant les rois là, kafir, tout le monde même kafir pour ceux. Ensuite, quand nous témoignons ce qui nous témoigne dans ce bon pays là, bon frère, bon soeur qui est l'Iran, l'exemple de tout nous témoigne, Irak, nous ne pouvons pas dire que Saddam Hussein, l'Iran, bon musulman, mais seulement bon ulama, même pour ces analyses, on ne tient pas faire soulèvement. Mais aujourd'hui, nous témoignons, c'est tout le monde témoigne. Irakien lui-même lui dire la paix, sécurité, stabilité qui était dans l'époque Saddam, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné. Même les affaires dans Tunisie, même les affaires dans Libye, même les affaires dans Yémen, et même les affaires dans tout ce pays qui finit dans le soulèvement là. Soit disant pour faire un soulèvement pour qui est capable d'amener une réforme, pour faire des gens vivre en paix, pour faire des gens vivre en sécurité. Aujourd'hui, mon frère, mon cher Kiraïman, la Syrie, comme exemple, contre la paix et sécurité dans la Syrie. Est-ce que quand je peux vivre avant, je peux faire soulèvement, je peux la vie, la partie meilleure qui est là? Oui, livré, Bachar Assad est là, ce qui est là avec lui. Mais seulement, frère, cher Kiraïman, dans le passé, même sous son autorité, les types capables peuvent faire, les types capables peuvent errer. Et dans certains points, il m'a dit qu'il y a le temps à faire tout. Mais seulement je suis persuadé à ce qui appelle la paix. Je suis persuadé à ce qui appelle la stabilité. Je suis capable de pratiquer l'islam. Je suis capable de pratiquer l'islam. Aujourd'hui, tout ça peut plaire. Aujourd'hui, ça peut plaire. Fini, qui fait. Banque qui est responsable, c'est banque qui donne sa bonne qualité fatwa. Mal fait, mal cher, qui est l'imam. Sa banque là, va nous dire l'islam n'a pas d'accord avec ça parce qu'il c'est banque système. Qu'il y soit manifestation, bien soulèvement, c'est banque qui sauce, qui vient dérange. Qui vient garder stabilité dans le pays, la paix qui est dans le pays, la sécurité qui est dans le pays. Et d'aller là, nous apprenons, un qui lui fait coquer l'ensemble de son frère musulman, puis c'est en prison, lui, puis c'est coupe sur la main. Frère et cher, qu'il a immense, c'est l'islam qui fait, parce qu'il volait, il fait ce monde vivre avec la frayeur. Parce qu'il volait, il déstabilise le pays. Frère et cher, qu'il a immense, si ça se concerne l'ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour en prison, ou soit pour couple, mais c'est lui qui coquait dans son démon. Qui nous pensait, nous, c'est lui qui peut coquer l'imam démon. Qui nous a fait avec lui? Est-ce que c'est un crime quand l'autorité musulmane, il en prison, c'est lui qui peut coquer l'imam démon? Ou bien c'est ça même qui tu nous a fait avec ça? Pas de même chef qui est l'imam, peut-être c'est lui qui connaît. Et à ce moment-là, une nouvelle, il fait une ville. L'Arabie Saoudite. Fini en prison, deux ou bien trois parmi les latins qui viennent d'Awa. Là-bas, là, pour venir dire comme ça, inviter l'Arabie, comment causer Kassou. Comment causer ou dans la prison, pas qu'il n'y a pas cause l'islam. Non, l'islam, il n'y a pas causer votre frère, votre soeur qui est dans l'Iman. Ce qui n'y a pas droit de causer, légalement, pas qu'il n'y a pas causer, oui, c'est la raison. Parce qu'il n'importe quelle opinion qui peut déstabiliser le pays.
N'importe quelle opinion qui pèse contre ce qui retient le pays, l'islam il empêche le mimaz, rahimahullah ta'ala, de dire l'islam il haqqi ulat al-umur an yanzuru wa an yuqifu man la yaltazimu bi tariqati allati yajibu ittiba'uha. Et ça pas le droit qui manque à l'autorité, là. C'est ce diété, ce arrêt de banque qui n'a pas pu attraper chemin qui les a suivi. وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم. الأوتوريتي نالي دوا بو كي زوت بيني بان بو كي زوت بيني بان كي زوت ياندي او شمين دوان سيس كاتي بان اغين او شمين دوان بان فري بان شيك الى لمن كا دالي باسي تي ديزا او كي زوت زوت كا اندون زوت ليبرتي زوت غيفي امم زوت غيفي امم قيمة سانفو زوت غيز بون زوت لقام انفو. Et si à tout nous tout récolter, quand c'est la paix et sécurité dans l'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui est dans des endroits sacrés là-dedans, et n'importe qui s'en là, qui n'en fait Hajj, qui n'en fait Omra, le témoin et sécurité qui est dans ce pays-là. C'est un pays qui est capable de manger n'importe qui est dans la nuit. C'est un pays qui va dans le calfeur à manger, la porte magasin, ce n'est pas fermé. C'est un pays qui, s'autocriminalité, est bien moins. Sa pays la bande frère, ma soeur, qui n'aime pas, je trouve qu'il peut bizarre faire sous les mains. Je trouve qu'il peut bizarre renverser l'état saoudien. Je trouve, non, tout qui sont même, je trouve n'a pas bon. Alors, sa bande qui permet sa idéologie là, paix la doute qui bizarre en prison seul. Au contraire, nous nous tiennent trop tolérés, je te mets trop de ce pied. Depuis longtemps, qui bizarre en prison seul. Pour qu'ils n'ont pas propre à ce dégâtement. Et finalement, c'est pas les musulmans qui souffrent. Et si on trouve l'autre côté, peuple égyptien, vous soyez bénis pour ce moment, les autres pays qui finissent dans soulèvement. C'est ça, ben, les autres facteurs qui vont dans le pays pour le faire soulèvement. Et finalement, on trouve comment ça va le pays là, ce film déstabilisé. Comment ce pays est à la paix. Alors, une petite chose pareille, on n'a pas souhaité qu'arrive ça dans l'Arabie Saoudite. Et si à tout, quand on vit en prison, ça va là. Quand il est en prison, ça va là. C'est la tête qui l'évêque qui soit disant, je dis pas là. Je peux faire soulèvement dans l'Arabie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, ce pays-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, ma ta'ala les protège, ma dina. Quand tout ban qui était malade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait banaré ici dans ce plan. Frère Cheikh Ilaïman, quand tu as causé qu'il nous a vite s'étendu, et qui peut-être nous aussi sans qu'il nous prend compte de nous propager ce parole-là, l'Arabie comme a causé ça en bout de prison, les mêmes petites choses qui prévalent, frère Cheikh Ilaïman. Parce qu'on nous dit à des contraires qui prévalent. L'Arabie c'est un pays qui nous dépensait pour propager l'islam entier le monde. L'Arabie c'est un pays qui nous dépensait dans les passés encore peut dépenser. Et Inch'Allah, pour dépenser, pour propager l'islam authentique dans le monde. Si nous avons l'occasion de la prendre, c'est pour Père Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite, penser fort et l'argent qui va dans le dépenser pour qu'il nous gagne sa connaissance-là. Et à ce jour, Alhamdulillah, pas de frère, nous n'avons pas pour mes banques qui peuvent faire chier. À ce jour, nous n'avons pas pour mes banques qui nous peuvent faire vivre la connaissance à côté de sortir. Connaissance à sortir là-bas. Quand on a accepté pour dépenser pour proposer l'islam, pensez, ben, ni sûrement l'islam qui misère. Aujourd'hui, nous connaissons l'islam authentique. Il n'est pas vrai pour venir dire qu'ils n'ont pas gagné droit pour l'islam dans ce pays-là. Oui, ils n'ont pas gagné droit, nous n'ont pas gagné droit pour ces gamins, c'est tout. Pour qu'ils nous déstabilisent un pays, pour qu'ils nous enlèvent la paix qui ce pays-là, parce que ça n'a pas gagné droit. Mais c'est moi, au contraire, nous disons à l'Arabie, les finances pour faire d'avoir entier le monde. Comment est-ce qu'il est capable en paix de faire d'Awa quand il peut financer pour faire d'Awa? Pas juste dans son pays, mais entier le monde va créer le chèque et l'Iman. Et l'université islamique de Madina, même c'est un exemple. Vous connaissez combien de pensées? Vous connaissez combien de célèbres à prendre là? Vous partez d'accord avec pour parler ça. Mais première question qui est bizarre, fermée, c'est ça même. Première question qui est bizarre, ouvert même dans le passé. Mais c'est pas construire, innover, il peut fonctionner. Et encore, petit aval, c'est les pour qu'ils se fassent d'avoir. Alors, il n'est pas vrai, mal fait, mal cher, qu'il est humain, qui nous prend compte de bonnes paroles. Et qui nous vient ni seulement, qui nous passe si fort, n'importe qui vient, qui manifestation est là, n'importe qui soulèvement est là. Parce que, comme nous disons, par exemple, je n'ai pas d'accord avec ça, en tant qu'un musulman. Nous visons toujours prendre que dans la paix d'un pays, l'instabilité d'un pays, et non plus qu'un pays, il perd sa stabilité, il perd la paix qu'il peut vivre là-dedans, ou sa sécurité qu'il peut sur surtout. Bon frère, bon cher, qu'il est humain, l'Arabie Saoudite, qui est la manque à Madina là-dedans pour le moment.
certaines femmes nous vont vraiment en cours de hajj. Alors nous ne pas souhaiter qu'elle m'allait arriver là-bas qui va nous subir les conséquences. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve la stabilité qu'elle a dans sa pays là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la paix qu'elle a dans sa pays là continue à prévaloir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait continuer à vivre en sécurité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'importe qui s'en a. Qui lui péroulait. Je suis avec l'instabilité de son pays-là, la paix de son pays-là, la sécurité de son pays-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait aller réussir là-dedans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide nous pour qu'il nous comprenne l'islam comme un visage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous faire ses efforts pour que tous les temps nous soyons la paix et sécurité dans nos pays. Et entre les mondes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait nous gambetter avec les banques qui viennent vivre les gamins. C'est à tous les gamins des banques khawarij, que le bannissement se fait perdre ce territoire. Le bannissement fait perdre la paix et sécurité qui se fait déjà suivre. Se fait perdre l'islam qui se fait déjà pratiquer à cause. Ban fatwa des légalement, fatwa des ban khawarij. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pour tout ban khawarij, ban s'il fait ce qu'il nous fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide pour vers les chemins droits. Les prendre la vie dans sa chemin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège son compte légalement. Et qu'Allah azza wa ta'ala fait nous trouve la vérité comme la vérité. Les donne nos courage pour nous suivre la vérité. Et qu'Allah azza wa ta'ala les aide nous. Pour nous respecter ban qui nous la vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège son compte fausté. Lui fait nous reconnaître fausté comme fausté et aide nous. Pour qu'il nous proclame l'innocence pour fausté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne pour tout le péché qu'il nous fait faire. Subhanakallahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.